Vous avez vu le titre et vous vous dites « Encore une connasse qui va râler !» Et vous avez absolument raison! Ou presque. Donc je viens de voir la bande-annonce du kit tricot. On va faire un petit débrief sur ce pack communautaire. Ça fait un moment qu'il est annoncé, hein. J'ai moi-même participé au vote. Et c'est pour ça que je suis autant enchantée. Ça se lit sur mon visage, regardez! Voilà, j'espère que j'exprime assez bien la joie. Comment vous dire? Alors le tricot, personnellement, je trouve que c'est stylé. C'est pas une vanne, hein. Je trouve que c'est stylé. En vrai, hein. Parce que dans les Sims, j'en ai rien à braire. Mais alors, rien du tout! Pardon, excusez-moi, je crie un petit peu, là je m'échauffe, en plus je viens de me réveiller, c'est parfait. J'ai même pas pris la peine de m'habiller, puisque, bah, comme je dis, je m'en fous, voilà. Le tricot dans les Sims, je m'en fous, et vu tous les autres choix qu'il y avait, je suis totalement dégoûtée, voilà. C'est comme pour lessive en fait, je ne comprends pas ce qui se passe dans la tête des gens pour vouloir des trucs pareils. Dans les Sims. Déjà, la lessive, c'est casse-couille en vrai. Pourquoi vous voulez en faire dans les Sims? Et c'est aussi casse-couille dans les Sims, hein, pour le tester. Enfin bref, tricot. Alors, le truc que j'ai retenu de la bande-annonce, c'est qu'elle est plutôt drôle, hein, c'est vrai. J'ai eu un petit rictus d'amusement. Et aussi que les enfants peuvent tricoter. Alors là, j'ai envie de dire, bah pas trop tôt en fait. J'espère qu'ils vont nous faire une mâche pour que les enfants puissent faire à peu près tout ce que font les adultes. Comme en vrai, hein, j'ai envie de dire, genre ce serait marrant que les enfants puissent faire la cuisine avec les adultes, évidemment, enfin, ils pourraient faire un truc sympa, hein, plutôt que juste faire du tricot. Enfin bref, j'arrête de crier, j'arrête de râler, voilà, 2 minutes de râlage par jour, c'est bon pour la santé. Et maintenant, bah, je pense que je vais vous laisser avec quelqu'un qui a une annonce à vous faire et qui va découvrir la bande-annonce. Pour ceux qui ne l'ont pas vue, vous allez la découvrir avec elle et vous allez, ben voilà, vous allez passer un bon moment. Sur ce, je vous laisse avec Gertrude. Et si vous ne connaissez pas qui est Gertrude, je vous invite à cliquer sur le petit i, là, où elle apparaît pour la première fois sur ma chaîne. Et voilà, 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 voilà. Vous passerez un très très bon moment. Allez, salut! Ah, ben bonjour, mes petits troufions! Alors, Lupina, elle m'a dit que c'était un kit fait pour moi. Apparemment, c'est sur le tricot. Moi, c'est vrai que j'adore le tricot. Tous les ans, je fais des pulls de Noël dégueulasses à mes petits-enfants. Ils détestent ça, mais qu'est-ce que ça me fait rire? Alors, c'est parti, on regarde la vidéo. Ben, ça, c'est une musique de jeune, déjà. Ah bah dis donc, c'est quoi ça? Je vais lui apprendre à tricoter à celui-là. Qu'est-ce que c'est que ce pull dégueulasse? À tricoter sur les toilettes, je l'ai déjà fait aussi, hein. Allez, on s'enjaille, les enfants. Par contre, monsieur, faut arrêter, hein. Ah, c'est pas mal, hein. Ah, j'aime beaucoup la musique. Ah, mais ils vendent tout? Ah bah c'est dommage, ça. Faut les donner aux petits-enfants, ils sont tellement ravis. Allez, on danse! On danse! On fait la poule! C'est quand que ça sort? Le 28 juillet, qu'on m'a dit. Eh bah écoutez, vous savez quoi? Le 28 juillet... Attendez, je mets la caméra pleine. Oh là là! On voit mes rides. Bon, écoutez mes petits troufions. Bah c'est simple. Le 28 juillet, quand le kit y sort, quand le kit va sortir, plutôt, je ne sais plus parler français, eh bien nous allons le tester ensemble. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce sera sur la chaîne Twitch de Lupina, hein? Et puis on va s'enjailler, comme disent les jeunes. Allez, salut mes petits troufions.